Ça veut dire quoi, Buzuruna, Juzuruna? Ça veut dire nos graines, nos racines. Et en quoi ce nom il représente votre association? Bah, comme nous sommes une ferme école qui produit de la semence paysanne, cela allait de soi. Bah, en vrai, nous sommes surtout des producteurs de semences paysannes et nous donnons aussi des formations. Du coup, c'est Ok. le plus, les deux plus grosses parties de notre activité. Et du coup, bah, ça se tient. Nous faisons des graines qui elles-mêmes deviennent des racines. Et l'idée, c'est de s'approcher d'une autonomie paysanne et d'une souveraineté alimentaire. Donc, tout ça a l'air de Ouais. bien sonner ensemble, quoi. Carrément. Et pourquoi cette autonomie paysanne, souveraineté, pourquoi c'est parce que vous êtes au Liban? C'est quoi? Pourquoi c'est tellement pertinent en ce moment C'est chez vous? une urgence. C'est une urgence. Nous vivons une crise économique historique sans précédent qui est extrêmement violente avec une inflation de genre la valeur de notre monnaie a perdu 10 fois sa valeur, quoi. On est passé de 1 500 livres libanaises pour 1 dollar à 15 000 à un moment et là on est stabilisé plus ou moins à 12 000 du coup. Ok. Et c'est Depuis quand complètement ça? aléatoire, on ne sait pas quand ça va péter. Oui, ça c'est Ça depuis a quand? commencé bah, la chute, elle a commencé vers 2018, mais l'inflation, on l'a vu genre sur le marché à partir de début 2000, mi-2019, début 2020, je pense. Et ça, et genre, quand ça arrive, ça a quoi comme influence sur la vie des gens? Bah, c'est terrifiant parce que les salaires n'ont pas bougé en livres libanaises, mais quand tu as un SMIC qui valait aux alentours de 400 euros, le même SMIC maintenant il vaut 40 euros alors que tout ce que tu consommes est plus cher parce qu'il est aussi indexé au dollar, ça devient terrible. Imagine par exemple, il faut que tu achètes une brique de lait. Une brique de lait qui coûtait 3 000 livres libanaises. Coûte maintenant à peu près 27 000 ou un peu moins, 25 000, alors que toi, tu es toujours payé, on va dire, 100 000 par exemple. Du coup, au lieu de pouvoir en acheter plusieurs sur le mois, tu peux à peine en acheter une seule. Oui. Et comme notre consommation dépend de l'importation, tout Ouais. est importé, ou presque. Genre 90-95% d'import, quand ça dépend d'une monnaie étrangère, par exemple le dollar dans notre cas, tout est beaucoup plus cher. Ça veut dire que tout ce qui est alimentaire devient plus cher, le pain devient plus cher, le carburant devient plus cher, et les salaires sont toujours les mêmes. Ça veut dire que le niveau de vie ou la qualité de vie, elle en prend un grand coup, et l'accès à l'alimentation et la sécurité alimentaire, elle prend un très gros coup. Et du coup, l'urgence de produire ses propres semences au lieu de les importer, de les acheter d'ailleurs, surtout si elles sont hybrides et stériles, et il faut en racheter l'année d'après. Et urgence aussi de produire ses propres intrants agricoles de façon organique et propre et bio, ses propres engrais, faire du compost, tout le package, comme on dit. Et c'est ce qu'on essaye de faire grâce aux formations et grâce à l'activité de la ferme. Parce que toi, quand vous étiez ici, tu nous as montré aussi des photos de comment, après ce que tu as appelé la révolution, mais il y avait énormément de gens, mais très divers, quoi, des étudiants, des je sais pas, des gens qui travaillent dans l'administration, en fait, des gens de tous les bords qui viennent et De qui tous les bords. s'intéressent tout Ouais. d'un coup, à ça, quoi. Exactement. Bah parce que il me semble que ça se sentait. Il me semble que quelque part, on était déjà dans une crise économique sans précédent. C'est la raison pour laquelle la révolution s'est déclenchée. Et du coup, les gens, ils avaient une conscience diffuse, on va dire, que les années à venir vont être des années assez compliquées et il va falloir se débrouiller. Et on est de plus en plus conscient, les gens sont de plus en plus conscients qu'une économie qui n'est pas productive est une économie qui n'est pas viable. Et la nôtre, c'était pas une économie productive.
pendant très longtemps, pendant 30, 40 ans, c'était vraiment une économie basée sur la dette, quoi. Du coup, tout le monde s'est mis à... Allez, beaucoup de gens se sont mis à produire, quoi. Enregistre. Excuse-moi. Oui, vous êtes nombreux là sur la ferme. Raconte un peu, vous êtes nombreux là sur la ferme. On est 16 adultes, 27 enfants. Et là, en ce moment, on a plein de potes qui sont venus, des volontaires, des stagiaires, tout ça. Du coup, au total, on devrait être une cinquantaine de personnes, un peu plus peut-être. Et vous, c'est grand comment chez vous? La ferme en soi, l'association, nous avons 2 hectares de terrain De terre, oui, avec les du coup c'est 18 000 m² de plantés et 2 000 m² de entre les bâtiments, les pépinières, la basse-cour pour les poules et les chèvres et les brebis. Et cette année, nous avons pu louer en plus 70 000 m². 7 hectares de plus, il me semble, pour multiplier et agrandir notre collection, surtout de céréales. Ok, super. Mais vous vivez pas sur la du coup, ferme. Ça s'étend. Pas tout à fait. Nous avons un de nos collègues et cofondateur qui vit sur la ferme. Nous avons une sorte de bâtiment qui fait cuisine de transformation, cuisine pour nous, salle de stock, école et appartement. Du coup, c'est vraiment un truc qui va comme ça en longueur. Et c'est Walid qui habite là-bas avec sa famille. Après, nos autres collègues et potes habitent juste en face de la ferme. Et nous, on est un peu plus haut dans la rue. On est à 4 minutes à pied. OK. Et là, vous produisez aussi un peu ce que vous consommez vous-même, voire beaucoup. Oui. Nous, on achète très peu. Tout ce qu'on arrive à produire, on l'achète pas, quoi. On l'a. Du coup, il y a encore des trucs comme le riz, par exemple. C'est un peu compliqué à faire pour nous, du coup. Tu vois, ce genre de trucs, quoi. Mais sinon, pour le reste, on est même arrivé l'année dernière à avoir un peu de miel. Mais on a eu un prédateur, là, à l'automne, qui a défoncé nos abeilles. Du coup, on est retombé à 3 ruches, mais on en avait 11. Ah ouais, c'est cool. Ouais, du coup, l'idée, c'est aussi de montrer que c'est faisable. Et comment, alors, au niveau des partenaires, au niveau des liens, du réseau que vous avez au Liban et aussi, aussi en Syrie, comment ça se développe, ça vient d'où, raconte un peu. En gros, l'idée, c'était d'abord de produire des semences, après d'apprendre à ceux que ça intéresse de les produire eux-mêmes. Comme ça, tu n'es pas obligé à chaque fois d'en refaire. Tu vois, c'est vraiment l'apprentissage de l'autonomie et de l'indépendance. Et du coup, à partir de là, des petits producteurs, ils ont essaimé un peu partout. Il y en a qui sont rentrés en Syrie pour produire leurs semences eux-mêmes en Syrie. Du coup, il y a vraiment un peu de tout. Ce que nos amis que nous suivons depuis le début, maintenant, ils sont complètement autonomes. Ils se débrouillent très bien eux-mêmes. Bien sûr, nous faisons le suivi s'il y a besoin d'échanges d'informations, d'expériences. Tiens, nous, on a testé ça, eux, ils ont testé ça. Et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir autant de producteurs de semences ou autant de maisons de semences que possible sur tout le territoire libanais et peut-être même un jour syrien, hein, on ne sait pas. Ah oui, c'est parce que ce n'est pas évident. La frontière, elle est toujours fermée. Oui, elle est fermée et c'est assez compliqué pour les gens de certaines nationalités de passer aussi. Si tu ne fais pas partie d'une mission diplomatique ou de l'armée ou un truc, c'est quand même dur. Vaut mieux pas le faire. Vaut mieux rester là où tu es. Ok. Au niveau des formations, parce que toi, tu as participé à la traduction aussi pour DIY Seeds. Alors, T'as traduit le site Le site en arabe et j'ai revu les vidéos qui avaient déjà été faites par une autre équipe et qui est un travail de titan quand même. C'est ouf ce qu'ils ont fait, c'est trop beau. Et en vrai, c'est hyper pratique, tu sais, parce que quand tu donnes une formation et que tu essayes d'expliquer comment extraire ou comment faire des distances de...
de sécurité pour pas qu'il y ait pollinisation. C'est toujours mieux quand il y a les illustrations et les dessins et la vidéo et les explications. Et du coup, non seulement nous montrons ces vidéos pendant les formations, mais comme elles sont accessibles aux gens après directement sur leur téléphone, quand ils ont Internet surtout, mais bon, c'est accessible, bah, ça permet aux gens de fonctionner très bien en autonomie, quoi, et c'est nickel, c'est parfait. Oui. Et du coup, et c'est facile aussi pour les gens dans la région d'avoir ces infos, de les utiliser, de. Exactement, ça les Oui. facilite, ouais. Parce que c'est un truc assez léger et simple, tu vois, c'est pas un gros bouquin que tu dois te trimballer où il faut que tu. Bon, il y a beaucoup d'agriculteurs qui savent pas lire, mais qui, bon, ils savent entendre, et tu as les dessins et la vidéo en soi. Et tu vois, du coup, c'est beaucoup plus illustratif et beaucoup plus accessible, et c'est plus simple, comme tutorial, c'est plus simple d'appliquer ça que de sortir ton gros bouquin et d'essayer de déchiffrer. Ouais. Parce que tu m'as raconté aussi, parce que comme vous produisez des semences du coup non hybrides, des semences naturelles Reproductible. reproductibles, ça permet aussi à tout le monde qui a ces semences, qui a les vidéos, de tout de suite récupérer une autonomie. Tu peux un peu raconter comment, à quelle Exactement, vitesse, exactement. et quelle. Ouais. Alors, quelle vitesse, ça dépend de l'accès à la terre, ça dépend de l'accès à l'eau, ça dépend de la sécurité de la région. On a des amis qui ont dû bouger plusieurs fois. De leur zone, tu sais, en Syrie, genre, qui à chaque fois qu'ils s'installaient, bon, il y avait des bombardements, machin, ils devaient rebouger, etc. Du coup, ça, c'est le contexte en soi, il est compliqué. Mais après, quand t'as les outils de base, où que tu arrives, tu peux quand même te débrouiller, tu vois. T'as tes semences, tu sais comment les planter, tu sais comment les reproduire, les extraire, les garder, les conserver, etc. Tu es un homme ou une femme libre, quoi, tu vois, c'est ça. Du coup, là, tu vois des gens qui en une saison ont réappris à faire des semences, et ils ont du coup tout de suite aussi leurs propres semences, quoi. Ouais. Exactement, le truc, c'est que la plupart des gens avec lesquels nous travaillons sont d'un milieu agricole ou d'un background agricole ou qui ont travaillé dans l'agriculture, même si conventionnelle. Et du coup, c'est plus simple pour eux de faire cette transition. Ce qu'ils étaient obligés de faire à la base, c'était d'acheter des semences. Et à la seconde où ils ont appris que, en fait, leur sort était entre leurs mains, parce qu'il leur manquait juste des outils adaptés pour faire ça, et bien voilà, en une saison, en deux saisons, ils ont leurs semences, on s'échange, on s'entend sur le long terme. Par exemple, quelqu'un produit une variété, quelqu'un en produit une autre, nous on en fait la troisième. Tu vois, histoire d'avoir le plus de diversité possible. Et voilà, ça commence à fonctionner. Ah oui, super. Et toi, comment tu t'es retrouvé Ouais. à participer dans tout ça? Bah, vraiment par hasard, en vrai. J'habitais à Beyrouth, et mon coloc a été à la fac avec Ferdi, qui est un des cofondateurs de l'association et du projet. Et du coup, Ferdi et Lara, quand ils sont revenus au Liban pour voir comment démarrer le projet semences, comment produire, où faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, ben, ils sont restés chez nous plus ou moins un mois à peu près, et on a cliqué direct. Et Ça a marché, quoi. voilà, comme je disais, je me suis consciemment laissé embarquer, quoi, je Ok. disais tout à l'heure. Et tu t'es Du coup, reconverti. ouais. Tu faisais quoi avant? Oui. Bah, avant, directement avant, je faisais de la com pour une fac, Ouais. mais je suis libraire à la base. Ok. Et ouais, j'ai fait des études de psycho, de lettres, hein, des trucs Ok. rien à voir avec, avec les graines. Non, mais c'est merveilleux. Et Ouais. Mais tu. ça permet de traduire, du coup, c'est parfait. C'est ça. Et tu as envie de continuer? Oui, en vrai. Comme on disait tout à l'heure, tu sais, l'urgence, là on est en plein dedans. Du coup, je pense que c'est vraiment un travail essentiel, c'est nécessaire. Et en plus, ça enrichit un niveau à plusieurs niveaux, tu vois, social, ça enrichit un niveau politique aussi. C'est une activité qui est extrêmement importante et belle en même temps. Du coup, ouais, je pense pas que j'arrêterai bientôt. C'est ça. Mais super, mais merci
pour cet entretien. Mais je t'en prie. Mais je t'en prie. J'espère qu'on se. C'était cool de te reparler aussi. Ben oui, carrément. Ben ouais, Ben, on t'attend à la ferme, hein. Écoute, moi, j'ai bien envie. Je peux rien promettre, mais. Il n'y a pas de pression, c'est quand tu veux, tu nous dis que tu débarques et ahlan wa sahlan. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Parfait.